Bonjour Marjorie, ça va? Les journées de Karine Fauché, bibliothécaire à la BDP de l'Indre, la bibliothèque de près, commencent souvent comme cela. C'est elle qui supervise les échanges faits avec les bibliothèques municipales du département. Elle les connaît toutes. Ce matin, Martizet vient faire le plein de nouveautés. Martizet a rapporté tous les livres qui étaient un peu anciens depuis un certain temps dans sa bibliothèque, qui sont déjà sortis depuis pas mal de temps, que tout le monde a déjà lu. Là, elle va venir choisir des nouveautés. Et donc là, je suis en train d'enlever de leur compte les livres qu'ils ont. Et je trie en même temps entre les livres qui sont un petit peu abîmés, que je ne vais pas remettre en rayon, ceux qui sont un peu anciens, que je vais mettre en réserve. Et je vais laisser en bas que les livres les plus récents. Pour les bibliothécaires, un long travail commence. Choisir dans les rayonnages, par catégorie, quelques 350 livres récents qui viendront enrichir leur fonds propre. J'ai rapporté 350 livres à peu près. Voilà. Martizet, c'est une bibliothèque qui tourne bien ? Ça tourne très bien. On fait à peu près 7000 prêts dans l'année. Nous avons environ 190 lecteurs, donc oui, on peut dire, pour une petite commune comme la nôtre, 2000 habitants, ça tourne très très bien. Pour l'aider dans sa tâche, Marjorie est venue avec Nicole, une bénévole, car les petites bibliothèques s'appuient beaucoup sur le bénévolat pour pouvoir mener à bien toute leur mission. Le mercredi, je fais beaucoup de couvertures, équipement des livres qu'on achète ou qu'on nous donne éventuellement, les particuliers donnent aussi de temps en temps des romans qu'ils ont lus, qu'ils ne veulent pas garder. Bon, je répare aussi, je remets les feuilles un peu abîmées ou les couvertures un peu déchirées, enfin, bon, je recolle. Et bien sûr, l'aide de Karine peut s'avérer fort utile dans leur choix. Elle connaît bien les livres en rayon. Et là, c'est sur les champignons qu'il y a dans la forêt, ça peut aller aussi avec. Bah oui, en promenade en forêt. Bah oui. Voilà. Pendant que Marjorie et Nicole finissent le tour des rayons, Karine a recommencé dans le sens inverse à enregistrer les livres. Là, je suis en train d'attribuer les livres à la bibliothèque. Comme ça, si quelqu'un cherche un ouvrage en particulier, ça lui dira que ce livre est dans telle bibliothèque du réseau. Et donc, elle pourra le réserver. Nous verrons demain plus en détail comment s'organise ce service de réservation destiné à satisfaire le plus de demandes possible. Karine et Nicole font une petite halte dans la cuisine pour déjeuner sur le pouce. Il faut encore rentrer, décharger et enregistrer tous les documents avant de les mettre sur les rayonnages de la bibliothèque de Martizet. Karine, elle, doit tout ranger avant l'arrivée l'après-midi d'une autre bibliothèque.